Uno me dans le coma recobre la conscience gra con acento circunflejo ca con acento grave une terapie revolutionaire. Le fight cu une persone recobre la conscience apres plus ursanes dans le coma estouhours une grande nouvelle. Mais le venement recent survenudans un hacheo con acento circunflejo pital francais a une particularité surprenante d'un point de vue scientifique, particularité qui va sans aucundo te redonner une leur despoir aux proches des patients dans le coma. L'événement s'est déroulé dans le apostrophe H.O. con acento circunflejo hôpital neurologique Pierre Wertheimera con acento grave Lyon, France, et in a passé le fruit du hasard. Le chanceux protagoniste de cette histoire a 50 ans, et los cuile navait 35. Il s'est retrouvé dans le coma suite con acento grave un grave accident de la route qui l'a laissé dans un état vegetatif. L'Université de Lyon, située juste à con acento grave CO con acento circunflejo TDL'HO con acento circunflejo Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer. Amené une expérience intéressante basée sur la simple stimulation d'un nerf vague. Il faut quand même con acento circunflejo me souligner que le processus a été lent, et qual eure actuelle des avancées et des résultats concluants sont attendus. D'ailleurs, le patient a encore de graves séquelles, et son réveil est lent. Toutefois, il réagit déjà con acento grave différents stimuli, il maintient la tension et le regard, et tourne la tête con acento circunflejo te vers chaque chose qui attire son attention. Qu'est seulement le début, la première phase d'une avancée qui, sans aucun doute, va viento con acento circunflejo te aporter des nouvelles estupefiantes. Pour le moment, analysons sur quoi est basée cette thérapie, laquelle a été développée par une excellente équipe médicale dirigée par le chercheur Marc Anderoth de l'Institut des Sciences Cognitives. Recobrir la conscience après 15 années dans le coma. Pour les psychiatres et les psychologues, la conscience est la plus grande énigme à con acento grave expliquer. Les personnes qui ont un proche en état vegetatif ou dans le coma savent que con acento grave es bien qu'une perte de conscience signifie se retrouver à con acento grave la frontière de la mort et de la vie, et l'oigné de la réalité. Les patients se maintiennent en vie de façon constante, mais sont plongés dans un monde lointain ou con acento grave ils perdent la notion d'humanité. Il convient toutefois de rappeler que cette activité neuronale qui délimite l'inconscience et la conscience est souvent con acento grave es fragile. Qu'est cette activité qui constitue le défi de nombreux scientifiques, la possibilité de ramener une personne en état vegetatif au monde sensible, réel et proche. Le nerf vague, la clé du réveil. Le travail a été publié dans la revue Current Biologie il y a de cela quelques jours. Et la nouvelle a déjà fait le tour du monde. De l'urceo con acento circunflejo T, les scientifiques appellent con acento grave la prudence, car, pour le moment, un seul patient est soumis a con acento grave CT thérapie. Il faudrait, par conséquent,
Develo perfecte terapia surplus de persones presentant des domages cerebraux diferents a fin de valuer la veritable portée de CT de couverte. La terapia es basée sur la estimulación d'un airbag. Le traitement tel quel est basé sur la pose d'un petit estimulateur cardiaque dans la zone d'un airbag du patient. Le airbag connecte une infinité de nerfs, d'organes et de structures avec le cerveau. La zone d'un airbag corresponde con acento grave une sorte de canal ou con acento grave se trouvent une infinité de fonctions que le airbag active, estimule ou conditionne vers un type de réponse. Dans ce cas-ci, les scientifiques ont estimulé une zone spécifique connectée avec le airbag, la formation reticulée. Il s'agit d'une structure fascinante chargée de réguler, entre autres, les états de sommeil et de veille. L'équipe de neurologues est partie de cette prémisse, une estimulation d'un airbag sera capable de favoriser un retour à con acento grave la conscience des patients dans le coma. Le résultat a été lent, mais efficace. La première personne sur laquelle ce stimulateur cardiaque a été testé s'est réveillée après 15 années plongée dans le monde de l'inconscience, loin de la réalité, de son environnement, de sa famille. D'autres études sont encore nécessaires, alors pour le moment, prudence. De façon générale, la réponse de la communauté scientifique est un appel à con acento grave la prudence. La technique de estimulation d'un airbag telle qu'elle n'est pas nouvelle. D'ailleurs, elle se pratique depuis quelque temps déjà chez des patients souffrant d'épilepsie ou d'une grave dépression. CT stimulation parvient à con acento grave reactiver la conscience et l'activité de nombreux organes, mais CT activation reste légère, TR con acento grave es légère, DOU con acento grave le besoin de continuer à con acento grave travailler sur CT thérapie. Bien que dans les gros titres de nombreux médias et journaux l'idée mise en avant est qu'un patient dans le coma s'est réveillé, cela ne veut pas dire que la personne est autonome, et encore moins capable d'interagir avec son environnement. Ce qui est certain est que le patient est conscient, il est bel et bien réveillé. Mais il ne communique pas et il n'est pas possible de savoir s'il comprend la situation dans laquelle il se trouve. Sa seule activité jusqu'à présent est limitée au regard, il regarde, observe avec attention et semble manifester un intérêt con acento circunflejo de particulier lorsque ses proches lui font la lecture. Il STR con acento grave es difícil de explicar avec exactitud de ce que est la conscience. Elle comporte plusieurs niveaux, et ce patient n'est qu'au premier niveau. Il lui manque encore quelques marches à con acento grave gravir avant de parvenir à con acento grave se réveiller complètement, à con acento grave communiquer. Et a con acento grave se connecter authentiquement avec ses proches et son environnement. Esperons qu'avec le temps et une estimulation adaptée il parvienne. Nous serons attentifs aux nouvelles concernant cette thérapie d'un airbag chez les patients en état vegetatif.